Bonjour YouTube. Nous reprenons nos aventures sur Isaac, repentance. On vient de nous demander comment ça allait ma main. Bah en fait, j'ai constaté tout à l'heure, alors là si j'essaie de vous la montrer, je pense que ça se verra pas. Mais en fait, ah si ça se voit un peu. Bah en fait là, vous voyez, là, tout ici, c'est noir. Voilà. Voilà, ça part de là, ça monte là. Voilà, c'est tout noir. J'ai mal. Le chat ferme là. Les chats sont des gros vilains ce soir. Alors, hier soir, on a validé Isaac face à Mother. Mais il faut faire Isaac face à The Beast. Donc on parle là-dessus. Et oui, on aurait pu commencer par un challenge, mais flemme. À l'aide. À l'aide. Ce serait bien qu'il meure un jour. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il fait? Surtout ne pas perdre de cœur rouge, on sait jamais. On pourrait peut-être un jour optimiser dans notre vie. Hein. Non mais... Mais putain, voilà! La petite... Je vous ai déjà dit que j'aimais les araignées. Oh, le petit coupon là. Alors le problème, bref. Ouais. Le problème c'est que c'est un peu tôt pour lâcher le dé. Et il y a une sacrifice et j'ai pris un dégât nul face à une araignée. Venez. Allez, on va les faire une par une. Hein. Y'en a pas une qui est chaude de venir? Elles vont toutes venir d'un coup. Je m'en prends plein la gueule. Ok, on garde ça dans un coin de notre tête. Ça c'était sûr. Oh, mais il y a un petit rocher marqué et j'ai deux bombes. Mister Bombastique. Grosse ref. Non, pas devant le... Alors, rappelons-nous, il faut sortir délicatement de l'item room. C'est bien, c'est un bon objet défensif, mais j'aimerais y accéder sans m'en prendre plein la gueule. Comment faire? On va pas claquer notre dernière bombe quand même. Ce serait dramatique. Sortir délicatement, tout à fait. Tu t'as écrit soit délicatement, et j'étais en train de me demander, mais attends, mais comment il en trouva le fait que je peux être délicat et choper cet item dans cette situation de merde? Mais le problème c'est que j'ai qu'une bombe. Bon allez, vas-y, au diable l'avarice. Non, parce que là le problème, c'est toujours un problème. Non. Non. Ah les salopes. Ah les salopes. Je les aime pas, hein. Désolé pour ceux qui aiment les araignées, hein. Je pense à vous. Bon, mon araignée s'est fait la malle. Hein. Non, mais en vrai, le... Alors, les deux mouches, en vrai, bon. C'est vrai qu'on aurait pu arnaquer ça. Ah non, elle est toujours parvenue, l'araignée. Non, mais je pense qu'elle s'est fait bouffer par les chats. Hein. Ou elle est partie dans un pays chaud. Oh. Bon, lui, normalement, on se fait pas toucher. Oh. Eh ben... Normalement, lui, on se fait pas toucher, connard. Mais arrête.
C'est trépidant. Allez, meurs, s'il te plaît, meurs. Merci. Ah, le truc, c'est que de l'arène, c'est toujours bon à prendre. Ah, il est facile, hein. Non, mais lui, cette version-là, j'ai pas l'habitude, hein. Bon, vas-y, on prend la range. Bon, on a du cœur rouge. Il y a moyen d'arnaquer un truc, là. On n'a pas besoin d'aller à Downpour. C'est une merveilleuse nouvelle. Mais j'ai l'impression que les premiers étages, arnaquer le Devil Deal, c'est avec la Sacrifice, c'est compliqué. Hein. Ça y est, les chats commencent à me trigger. Quel enfer. Non mais ça suffit là, putain. Tous les soirs. Le but de ma run, c'est The Beast. Parce que hier soir, on a réussi à faire Mother. J'aurai jamais rien, c'est ça? J'aurai jamais rien. J'ai sacrifié mes cœurs rouges pour rien. Allez, ça m'a saoulé. C'est pas grave. Oui, hier on a fait Mother, mais on n'a pas fait The Beast. En fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a battu le boss, la Sacrifice, il faut la spammer beaucoup plus longtemps pour que ça fonctionne. À chaque fois, on a le même problème. En même temps, normal. Sinon, on pourrait beaucoup trop casser le jeu. Pas que je me fasse toucher. À l'aide. Eh mais j'ai pas de bombe et j'ai pas de clé. Ma vie est tellement dégueulasse. Attends, bah, alors, sachez que j'ai un chat noir dans le coin de mon œil droit là. Je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Hein. Ah, ils ont fait exprès, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, que j'ai hâte d'être dans un bureau. Ils arrêteront de me casser les couilles, ces chats de cons. Pas le problème. Oui et non. Parce que quand je serai dans le bureau, je serai obligé de laisser le bureau ouvert. Sinon, mon chat... Il va miauler comme un possédé jusqu'à ce que j'ouvre. Et c'est bien le problème. Ouh, 5 balles. Ah, avant, on pouvait beaucoup casser le jeu. Après, trop, non. Parce qu'il fallait. Ça se méritait quand même de pouvoir casser le jeu, je trouve. Enfin. Fallait quand même être très méthodique hein, pour casser le jeu avant. Bon, il faudrait peut-être des dégâts. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Oh là là. Putain, et mon dé que je vais pas pouvoir exploiter. Ah mais c'est vrai que j'ai de la range. Donc je vous emmerde. Ouh. Oh ma vie est tellement dégueulasse. Oh les mouches. J'arnaque. Mais... Ça suffit. Merci. Hop. 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 C'est toute une chorégraphie. Allez. Hop. Hop. Hop.
Hop. Vous avez vu cette maîtrise là? Cette maîtrise du hop. Bon, j'ai 10 balles. Peut-être que le shop devient une possibilité. Par contre, exploiter correctement mon dé, ça c'est pas une possibilité. Ça c'est un rêve. La légende dit qu'un jour on pourra l'exploiter convenablement. Ne pas me faire toucher par l'invisible. Ne pas me faire toucher par tous les autres. J'ai envie de mourir. Mais non, mais à chaque fois on trouve item room et shop à la fin. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Oui, on va péter tous les poupes. Pourquoi je me presserais? On n'est pas en train de faire le challenge numéro 22. Petit cœur blanc dans un caca. Ça, c'est rare, ça. Dis donc. Par contre, toujours pas de bombe en vue. Hein. La boîte de Pandore. Mais là en plus on va avoir de la merde en market si je prends la boîte de Pandore. Attendez, vous savez que j'ai la page du wiki qui est restée ouverte pour la boîte de Pandore de ses morts. Genre deux bombes et deux clés. Si je la claque maintenant. En vrai c'est rentable hein. Je suis en galère de bombes et de clés. Vas-y, on fait ça. Par contre, Pokémon, sérieux, bientôt 6 badges, j'ai mes 0 difficulté. Ah. Oh, c'est un Pokémon à l'ancienne. Hein. Et bah, c'est bien. Allez, deux bombes et deux clés. À moins que je le reroll. Non, on va être très déçus. On va jouer la sécurité. La secret peut pas être là. On reviendra peut-être. Qu'est-ce qu'il fait le bleu? Pourquoi il est bleu? Oh mais il y avait un rocher marqué là en plus. Vas-y, tiens, bouffe. C'est long. C'est toujours long contre lui. Hein. C'était sûr, je m'en doutais depuis. Ça me pendait au nez. Encore de la range. Ça va être une run range. Et ben ma foi, nous allons prendre Dark Bomb. On n'a pas encore fait une run angel. Hein. Et toi? Pyromaniaque. Et du coup... Ah, pyromaniaque, je crois que je me régène mes cœurs rouges. Quand je prends mes bombes dans la gueule. Il me semble que c'est ça le bail. On va pas tenter. J'ai peur. Un pyromaniaque, c'est un item que j'ai pas souvent. Quoi? C'était quoi l'autre item au shop? Dark Bum. Dark Bum fait un effort. Tu vois ce que rouge, va le chercher. Transformation ange. Non.
Experimental pill. Il m'a niqué un... Oh, putain, j'ai perdu un cœur rouge pour avoir de la speed. Vraiment. Non. Il y avait l'échelle. Ah, l'échelle. Bah, l'échelle, en vrai, c'est pas dégueu. Hein. L'échelle peut carry. Hein. Non, mais... jouer Angel, ça veut dire... en gros, on deny les Devil Deal pour avoir des Angel Rooms. Sauf que c'est plus dur à avoir. Et tu deny potentiellement un premier item qui peut te mettre bien pour plus tard, en fait. Et tu deny le Devil Deal. C'est ça la difficulté de jouer Angel, en fait. C'est que... Tu seras forcément nerfé... nerfé au départ. Ouais, mais j'ai qu'une clé. C'est un peu la baisse, ça. C'est l'emmerdement. Oh non. Pas ces salles de l'enfer. Il tire souvent, c'est con. Avant, il tirait pas aussi régulièrement. Je serre les fesses. En gros, j'ai pas l'impression que les araignées se déplacent plus vite, heureusement. Sinon, ce serait un drame. Hein. Mais c'est vrai que j'ai l'échelle. Oui, il bouffe les cœurs, Dark Bum. C'est tout son intérêt, en fait. Il bouffe les cœurs rouges pour, derrière, me donner des items, voire... et c'est son intérêt premier, des cœurs noirs. C'est ça, l'intérêt majeur de Dark Bum. Mais j'ai de la range, hein. Ça, c'est clair. Hein. Par contre, les dégâts, ils restent, voilà, hein. On se fait bien chier. Hein. Surtout que The Beast, attention, hein, faut que je sois. Faut que je sois prêt. Hein. C'est pas pourquoi je sens qu'on va aller loin. Je sens qu'on va aller loin, mais que ça va être la PLS. Y a peu de chance. Ou là, peut-être. Bon, arrête de piffer avant de connaître tous les étages. Ouh! C'est chiant. J'aurais pas assez de thunes pour avoir un more options, donc on va faire une salle à l'aide. Ah, mais j'ai tellement pas de dégâts. On se fait chier. Vas-y, je vais aller voir l'item room. Pas si mal. Ouais, je vais avoir des tirs qui vont ralentir les ennemis. Utilisation intelligente de l'échelle. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Pire sale. Je sais pas si j'ai fait le bon choix là. Voilà, à ça tous. Voilà. Putain de merde, des araignées de cul.
Putain, mais c'est interdit de se prendre des dégâts. Des araignées comme ça là. Allez, on reviendra plus jamais. Ah oui, le One Punch Man, ouais, c'est vrai que le. Vas-y, regardez. C'est vrai que la petite boisson là, avec le punch là, c'était marrant. Bon, après, j'ai 5 bombes, mais bon, est-ce que. Oh! Elle était bien là. J'avais raison depuis le début. Eh, hey, mais cela dit. Je pourrais tenter un reroll au shop. Je pourrais tenter un petit reroll. Parce que si les deux items c'est des dingueries. Vas-y. Je réfléchis. Je vais pas prendre la batterie. J'ai vraiment pas de dégâts, hein. C'est un plaisir. Sale, ignoble. Putain. Putain, mais c'est quoi ces salles de l'enfer en vrai là? Mais putain! Oh, je vous déteste tellement. Oh, je vous déteste. Oh, je vous déteste. Bah, c'est lose, hein. Sachez que c'est perdu. Mais et, je l'ai... Je la regardais pas. Juste, je la regardais pas, en fait. Oh là là, le début du drame. Et en fait, on a jamais eu aucun cœur rouge pour l'instant. Donc Dark Bomb ne me sert à rien. C'est quand même triste. Ah bah là, c'est pareil, lol, hein, avec zéro dégâts. Comment vous dire? Comment vous dire que je vais en prendre plein le cul? Ou alors, ça va être long. Dans les deux cas, on se fait chier. Putain, et moi j'ai pris le slow effect de mon cul. Allez, meurs là! Oh l'enfer! Allez, hein, ça c'est la pilule. Excellent. Qui va tout changer, voilà. Plus c'est long, plus c'est bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, même. Fais gaffe avec elle parce qu'elle a des accélérations vénères. Super. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Explosive. Oui, on avait pris l'item room. C'est vrai qu'on n'a pas fait la challenge. Ah oui, mais faut que je repasse par la salle de con, là.
Allez, on va dire ça comme ça. Je pense que la challenge flemme. À voir, peut-être qu'on va avoir un Devil Deal et qu'on va pouvoir voler. Si on vole, on va aller faire la challenge. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh qu'il est relou. Non. Oh putain mais vraiment. Et je fonce dedans. Il est ignoble. Le slow effect qui a un peu sauvé. Hein. Oh, bon, je joue comme une quiche. Hein. Ça, c'est indéniable, mais voilà. Bah, c'est ça, zéro dégâts. Hein. Je suis déjà mom. J'ai déjà la transfo mom. Alors qu'on est au troisième étage. Bah du coup, vu qu'il y a un coffre dans la challenge, on va aller le faire. On peut même aller chercher la curse pour pousser le vice. J'ai oublié ça. Bon, le problème, c'est que j'ai pas de cœur rouge, quoi. Hein. Peut-être faire la challenge d'abord. Ok. Ah, mais il va tout me bouffer ce con. Non. Oh. Ah. Ce ne sont que les premiers ennemis. Heureusement qu'on a de la range pour les atteindre. Il ne faut surtout pas prendre les cœurs noirs et compagnie. Il faut pas se faire toucher. T'as un Dark Bomb qui a été utile. C'est fort quand même. Heureusement qu'on avait le Momski. Enfin, je suis content d'avoir géré les... Elle fait quoi la Transfo Mom? Elle fait apparaître le couteau que j'ai au cul. Hein. Heureusement qu'on a forcé le shop pour avoir Momski. Hein. Momski qui peut nous mettre bien. Tain, on pourrait même continuer à faire les forceurs avec le shop. Mais est-ce bien nécessaire? Ah mais non, remarque, je peux pas faire de roulement, non. C'est une connerie. Allez, on se barre. Bon, la transformation est un peu éclatée, sauf... Sauf si tu as un item. Alors, je sais pas comment il s'appelle, cet item. Ça a une forme de feuille mâchée. Et en gros, cet item, quand tu deviens, enfin quand tu t'immobilises, littéralement quand tu ne bouges plus, au bout de une seconde, grosso merdo, ton perso devient invincible. Genre il est comme une statue. Et du coup, si t'as des couteaux,
genre des trucs qui est un peu orbitaux, qui tournent autour et qui font des dégâts, bah c'est Osef parce que les ennemis te foncent dessus et c'est win. C'est pas forcément évident à jouer, surtout contre certains boss, mais c'est pas mal. Je sais plus comment il s'appelle. Mais genre par exemple Hush, tu peux le faire avec cet item là, sauf que bon bah ça dure 1000 ans parce que Hush il vient rarement te coller donc... À l'aide. Voilà. J'ai fait le plus chiant. Enfin, peut-être que j'essaie d'exploiter l'autre là. Je vais pas me tirer dessus là. Bon, allez. Ça va être chiant. Bon, sait-on jamais. On a Momski, hein. C'est possible. Oui, alors, on a Momski, donc c'est un oui. Alors je crois que ça, on gagnerait de la puissance si, admettons, on avait des items démoniaques. On va garder la range pour l'instant. Ah oui, mais attends, faut que je lâche un trinket aussi. Ah mais c'est terrible ça. Mon argent. Meurs. Oh les dégâts, non mais là c'est horrible par contre. Hein. La luck, oui. Tellement de mendiants à bomber. Oh mais il y a Diploplo. Est-ce que ça va être comme hier? L'arnaque du Devil Deal au Diploplo avec les larmes Vortex. Est-ce qu'on prend le Diploplo? Moi je suis chaud. Déjà on va tout bomber là. Oh là, l'argent. 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 Ah, ça a bombé la machine. Bon, tant pis. Faudra que je remette des sous dans cette machine, c'est terrible. Hein. Et... on va prendre du peuplo. Parce que là, en vrai, on a quand même 72% de chance de Devil Deal, donc faut pas déconner. On peut prendre ça. Let's go. Je suis même pas sûr de vouloir claquer une bombe pour ce cœur noir. On verra après. Faut mourir maintenant, hein. Mon argent! Allez vous faire foutre! Vas-y, on le fait maintenant. Il est horrible! Il est horrible! Vas-y, ça m'a saoulé. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Pas que je me prenne les cacaroises. Y'a pas un moment donné où il charge aussi comme un abruti lui? Oh que c'est relou. Oh que c'est relou. Bah à l'aide en fait. Je sens que je vais mettre des bombes.
Il va blinder la salle de poupe. Ça va être injouable. Voilà. C'est ce que je voulais. Voilà, oui, non, c'est ça. C'est ça que je craignais. Ah, et voilà. Oh là là, la balle de flipper. Faut pas que je pète ses poupes quand il fait ça. Va chier, mec. Ah, mais il les pète tout seul. Quelle vie. Je suis en train de mourir, c'est faux. Et j'ai pas mon Devil Deal. Et lui qui me sort une araignée nulle. Je sais ce que je vais faire. Je vais garder mon dé. Vous allez voir, ça va être impressionnant. Magic Mushroom. Non. Eh, hey, mais j'ai plus qu'une bombe là. C'est bien de faire le con, mais j'ai plus qu'une bombe. Encore de la range, hein. Encore un item de mob, un plaisir. Mais non! Et je le regarde! C'est pas ouf ça. Hein. C'est un signe ça. Signe de mon cul. Non mais je sais ce qu'on va faire. Attends, il y a des squelettes là-dedans là. En fait ça me fait un peu chier pour le diploplo. On va pas vraiment pouvoir l'exploiter. À sa juste mesure. Après en même temps il y a le... Ah. En fait je suis en train de partir dans un délire mais en même temps il y a cet item là. À l'aide. Non mais j'aime bien parce que je lui ai ouvert la voie pile au moment où il attaquait. C'est du génie. C'est bien cet item, moi j'aime bien. En fait, à force de toucher des ennemis, on gagne en puissance. Par contre, ça se reset quand on tire trop dans le vent. Moi, j'aime bien. Ah ! Mon Dieu. Alors, il y a un monde merveilleux où c'est possible. Alors peut-être. Oh, blinded. Oh, shield tears. Shit.
Shield de Tears. Ah oui, mais j'ai plus de bombes, MDR. Faut que j'aille dans la challenge. MDR, j'ai plus de bombes. Bon, dans tous les cas, les deux sont chargés. Ah oui, mais les deux sont chargés. Donc attendez. On peut faire une dinguerie là, vite fait. Enfin, une dinguerie, ça se trouve, ça va être décevant. Hein. Ça me va très bien. Du coup, deuxième compagnon. Non, ouais, c'est pas mal. Une bombe. Putain, je te déteste. Oh oui, les shops supplémentaires. Ah oui, non, mais sauf que... Alors, ce shop supplémentaire, c'est bien. Mais ça coûte la peau du cul. C'est quoi cette rune? Algiz. Pourquoi pas, en vrai. Faut pas l'oublier. Bah, faut penser à la récupérer après. Une bombe. Je l'ai vraiment dans le cul là. Je peux pas aller voir la challenge alors que j'ai tout setup pour. Putain, on pouvait avoir l'item de la challenge. Car elle allait forcément être un bon item en plus, c'est ça le pire. Et je n'ai pas de bombe pour y aller. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, tout simplement. Non, mais en même temps, j'ai fait le con avec mes bombes là sur. Sur ces champis de merde là. Si j'avais pas fait ça, on n'en serait pas là. Putain, j'ai Momski, j'ai pas de coffre. Du coup, je suis pas bien là. J'ai le démon. Ouh. Ah oui, non, mais c'est bon. Je confirme, les explosions ne font pas de dégâts. Et ça me soigne. Les cœurs rouges. Et j'ai blindé. J'ai shieldé de tir. J'ai shieldé de tirs. J'avais oublié ça. C'est merveilleux. Dark Bomb qui sert enfin à quelque chose. Hein.
Oh là là, je me fais toucher par ça, mais vraiment. C'est grave, hein. On est à un niveau là. C'est très grave. Après, shielded tears face à The Beast, c'est bien. En fait, il faudrait la Psy Fly et là, défensivement, on est bon. Bah, vas-y, tu sais quoi. Allez, voilà, comme ça, j'ai ma bomba. Putain, mais même à 7 de dégâts, on s'emmerde. À l'aide en fait. Putain, j'ai zappé de mettre le trinket dans la salle de boss tout à l'heure. J'ai oublié. Bon, faites-moi penser. Le trinket. Bah, d'ailleurs, je vais le prendre maintenant, celui-là. Le trinket. Je répète, le trinket. Bon là j'ai un trinket qui m'a donné un peu de dégâts. Et ça c'est cool. Mais... faut que je mette l'autre. Plantus sur 20, voilà. J'ai envie de mourir. Putain, je vais récupérer la bombe. Ah oui, ça va être drôle. Là. Ah mais Blinding... oh oui, Shielded Tears. Pizaille. Et le vol. Mais le vol, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu là? Je peux reroll après. Hein. Du pizaille, je prends. Allez, je reroll. Non. C'est du dégât, mais de manière. Attends, je sais même pas si c'était le bon item. Je crois que c'était l'item de Samson. Pour avoir des dégâts à force qu'on se prenne des claques. Mais non. On a eu l'item room? Est-ce qu'on...
qu'on a 8ème room? On est déjà venu ici, hein. Bon, attendez, avant que j'oublie, le trinket. Parce que visiblement, je suis pas aidé. Donc, déposons ce trinket. Voilà, on garde Alguise. On récupère l'autre trinket. Ah, qui me fait quand même prendre... Eh, qui me fait prendre 2 de dégâts. C'est bien. Attends, mais l'item room... Non, j'ai jamais eu l'item room. Bon, la secrète est sûrement à gauche, là. Ah, ou là. D'accord, je suis juste jamais venu ici. Bon, des clés j'en ai, hein. Ça c'est cool. Mais j'ai pas de bombe. Et lol, il me faut une bombe pour accéder à cet item de mort. Oh, la lime! Fait pop. Oh mais la lime! Si seulement je pouvais avoir l'item là pour avoir 2 trinkets. Oh la lime c'est cool. Par contre on peut aller dans la curse. Attendez, on va clean l'étage. J'ai toujours pas eu de bombe. Hein. J'ai pas envie de crever. Évidemment. Vas-y, tire-moi dessus, je m'en fous. Fais-toi un kiff, mec. Fais chier, je voulais le bomber là-haut. Oh. Alors ça c'est un item d'Angel Room à la base. C'est craqué un peu. C'est plutôt craqué. Parce que quand je tire dedans... Ouh. Et oui, en plus vu que j'ai le multidimensional baby, du coup au lieu de le faire... Ouais d'accord, ouais. Ça cumule quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire. Alors ça par contre c'est bien nul. Wafer. Wafer c'est ok. Bon maintenant faut retrouver la curse. Putain. Ah mais non mais si c'est bon. Bon, c'est pas ouf, hein. On va faire avec. Elle était où, la Curse Room? Elle était là. Bon, j'ai perdu un tout petit peu en range pour avoir du tir rate, c'est ok. Shot speed down, MDR.
Bon, mais voilà. C'est pas mal. Et je peux même avoir... Bon, du coup, désolé, je garde pas le trinket des pic-pic. On va prendre le trinket des dégâts. Je pense que là, au point où on en est, c'est important. Ah, mais le fait de l'avoir porté dans l'étage, ça annule les pics. Il est où, mon trinket? Il était là, hein. Il est où? Dans la challenge? Oui. Eh bien, ma foi, c'était plutôt concluant. Let's go. Putain, petite run en first shot là. Ouais, ben voilà. C'est pour ça que cet item c'est satisfaisant. Voilà. Une grosse gerbe de larmes là. Oh mon dieu, alors ça par contre c'est pas satisfaisant, c'est bien de la merde. Hein. Tears down. Putain. Health up. Ah oui, contagion, d'accord. C'est donc ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est fou. On veut pas de suite. Je suis un peu dans la merde, hein. Disons-le comme il faut. Squeezie, il me faut une bombe. Sauf que le jeu ne me donne jamais de bombe. Vas-y, vas-y, prends ce jeu. Et re-squeezie, mais du coup il va avoir quoi dans l'autre coffre? Un autre item. Ah, c'est marrant ça. Le jeu, en fait c'est comme les trinkets. Le jeu force vraiment sur... les trinkets ou les items dans les coffres. Du coup, il y a un HP up là-dedans. Ben, je le prends. L'argent. Il faut pas que je touche à l'argent. Alors le problème c'est que j'aimerais bien voir le shop avant. Ouf, oui, alors attendez, oui. J'avais fait une connerie. Ok, je peux voler, non, ok. Bon. Oui, non, mais parce qu'il faut qu'on exploite la carte The Fool. Oh, c'est con, c'est un bon trinket, ça. Oh là là, le gangbang. Ok, faut pas que je ramasse l'argent. Thank you.
C'est pas Niera, ça? Agalaz. Oh putain, je vais vraiment d'acheter Agalaz, là. Bien que... On va la claquer tout de suite, Agalaz. Vous allez comprendre. Voilà. Je suis un peu déçu. Il est vrai. Something's wrong. Speed up. Je suis un peu déçu, il est vrai. Alors, l'argent. Je le fais apparaître, hein, parce que sinon ils vont faire les forceurs. On sait jamais. Un peu de diamonds. Non. Judgment. Ah ouais, mais J'ai perdu de la range, j'ai perdu un de luck, mais par contre j'ai pris... Oh ouais, j'ai pris des dégâts aussi. Cool. Bon, du coup, un peu décevant. Mais j'ai pas envie de claquer mon dé pour ça. J'ai pas envie de claquer mon dé pour ça. On verra après. Oh, bah tiens! Amaury. El Famoso Punch. Je sens qu'on va l'avoir tout le temps maintenant, cet item. Amaury qui la colle, hein. Il le voulait, il l'a eu. Merde. Alors la sacrifice, c'est une possibilité aussi, étant donné que j'ai The Wafer. The Wafer me fait prendre seulement un demi-cœur, même sur la sacrifice. Mais c'est un peu plan cul. Ouh! C'était sûr. Putain, tout ça pour une pilule. Tout ça pour une pilule nulle? Je déteste ma vie. Bon, le boss. Donc, The Fool. Oh là là. C'est un drame. C'était tellement le bordel. En même temps. Putain, mais ça c'est un truc. Il faut que je m'en rappelle. Quand on utilise The Fool dans cet étage, en fait, il y a moyen d'arnaquer la challenge à un PV quand elle se trouve dans la salle du spawn. On peut y rentrer en fufu. Il y a une arnaque. Je m'étais fait la réflexion la dernière fois. Bon, je suis un tout petit peu dans la merde. J'ai presque envie de tenter s'il y a une carte... S'il y a une carte au shop, ce sera forcément The Fool. Il n'y a pas de carte au shop. Eh bien, dommage. C'est la merde. Et là, plus de Devil Deal, c'est ça? C'est ça. Ça va tellement être chaud.
Il nous faut des cœurs rouges. Se faire carry par Darkbum. D'ailleurs, j'ai toujours mon dé, hein. Aïe! Putain, il a réussi à me toucher, le salaud. Il a réussi à me toucher. J'arrête de claquer mes bombes comme ça au pif. Ouais, cela dit, j'ai... Ah oui, mais j'ai Gupizai en plus. Et Momski. Par contre, fais un effort. Fais un effort, en fait. Je te déteste. Bon, si on a des coffres dorés qu'on peut pas les ouvrir, on sait qu'on a ça. Ok. Je suis faible quand même, hein. Allez Darkbum, c'est ton moment. Oh mais là là mais... Flemme. Flemme sur 20. Non! Assez impressionnant ce qui vient de se passer là. Oh mon Dieu! C'est quoi ces coffres là? C'est un peu la merde, hein.
Allez. Je sais pas si ça va bien servir. D'accord, d'accord. Alors, bonne nouvelle, on peut aller dans la cœur. Putain. S'il me donne. Ouais. J'allais dire, s'il me donne un Steam Sage, j'allais m'énerver. Ok, ok, ok. Un peu décevant. On va aller voir l'item room. HP up ou inconnu? C'est pas du tout de ça dont j'avais besoin. C'est vrai que lui m'a bien arnaqué. Bon, let's go. Ah oui, non, mais oui, non. Merde, je peux pas repartir en arrière. J'aurais dû... Oh, mais non, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me fais avoir. Bon. Je voulais utiliser le dé dans le shop. I spent it. It's gone. Just get over it. It's gone. How could you have spent our savings? Aïe aïe aïe. Alors là, deux impératifs. Faut que je joue bien et faut que ça fasse dropper des cœurs rouges. Ça me va aussi. Je te déteste, tout simplement. Oh mais l'item snatcher, est-ce que c'était bien nécessaire? Et il va dedans. Eh bah quand même.
Bon, en vrai, on va pas avoir un dégât dégueu face à The Beast. Faut juste arriver jusque là. Normalement, ça devrait le faire. Putain, on aura fait en one shot ce soir. Ah, double crack qui. Voilà. 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 Just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Don't abandon us like you abandoned yourself. Allez, merci à toi. Alors, la crack key a gardé précieusement. Il faut deux clés. Pourquoi on a 6,50 de dégâts? Ah mais je crains pas les explosions, donc l'autre con là, des caviers de l'apocalypse... aux affichères. Timonier Qual Power, là, ça ferait plaisir. Oh, je me suis dit un petit Hierophant. Hein. Ah, contagion, c'est bien. Hein. C'est un peu des items sous-estimés. Je dis peut-être. Ok. C'est assez dommage qu'on n'ait pas la red key. Là, j'avoue que j'aurais bien voulu. Parce que là, notre méta... En fait, on a sauvé le truc avec les shops. And become saved. Let sinon, his light inside you ouf, hein. Cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Did you hear how you sound? Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Thank you.
Ouais, mais vu qu'on a le punch, bah du coup, oui, ça va être comme la dernière fois. Après, là, on n'a pas autant de luck. Je crois que les punch ne proc pas aussi souvent. Et ouais, les punch face à The Beast, j'avais oublié, mais c'était très fort. Non. T'as la shield d'attires, hein. Là. Bon, ça va pas forcément être easy win, hein. Ah, Dark Bomb qui est utile. Quel plaisir. Allez, des petites lock coins là. Allez. Le culot de cet homme. Ah, je me disais bien. Enfer sur 20. Vas-y, j'avance. Mais au secours. Il y a combien là? Je crois qu'on arrive à 13 max de dégâts. Ce qui en vrai est pas mal. Ah oui, mais j'ai l'item Snatcher, c'est vrai. Non, mais je me dis... Un petit... des petits lockcoins. Même là, son HP up, là. Si admettons, ça pop. Je peux peut-être le reroll. J'aurais peut-être pas faire ça.
Il m'a mis un dégât, le salaud. On a même pas eu le bruit. Let's go, du dégât. Pardon. Ah, je suis plus lent. Il y a des cœurs rouges là, non? Un jour? Ah, parce que là, pour le coup, je suis un peu deg si j'ai niqué. Et ben, up de ma stat la plus faible, en vrai, c'est ok. Hein. Oh! Les larmes vortex! Oh, le Devil Deal gratos. Et Dead Cat. Oh. Oh. Mon dieu. Bon, par contre, je les ai une fois tous les 1000 ans. C'est un enfer. La range. Mais genre. Bon, j'ai deux items de Guppy, c'est dommage. On aurait pu être Guppy face à The Beast. Le rêve était permis. Oh, les petites larmes vortex là. Ah, par contre, je suis vraiment pas fou là. Ouais, et le sac, autant vous dire qu'on s'en bat les couilles. Bon, lui aussi, on s'en bat les couilles en fait. Yes. Merde. Merde. Je regarde d'avoir claqué mon dé du coup. Vas-y hein. Je mets un coup de serviette hygiénique à The Beast. Ah, ça, ça va être chiant par contre. Mais heureusement, j'ai Shielded Tears. Tu vois pourquoi je veux dire Blinded Tears à chaque fois? Chaque fois, il me baise lui. Hein. À chaque fois, il me baise. Il a un pattern, hein. Allez, c'est le moment de le cancel. Aïe. Aïe. Aïe.
N'esquive jamais, idiot. Oh là là, et ça va être tendu, hein. Ça va être tendu. Vas-y, go. Je reste chaud. J'ai perdu mon bouclier. Putain, j'ai perdu le bouclier direct là. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai cancel. Allez. C'est du hors-champ encore. Oh, faut que je... Ah, dommage. Ouais, je manque de luck, hein. C'est le problème. Non, je t'en plein dedans. Vas-y, reste dans la flamme là. Reste en bas, reste en bas. Merde. Oh, je me suis fait défoncer. Ah oui, c'est bien. Reste là-bas. Ah non, il était en bas. Qu'est-ce que tu faisais en bas, mec? Il m'a touché. Oh mon dieu. Oh, les vortex qui foutent la merde. Alors, t'as peur? La Psyfly vous manque. Mais pourquoi elles sont comme ça, les flammes? En plein dedans. J'ai GG à moi en tout cas. Ouais. Hop. Je vais foncer dessus à la fin, ça m'a saoulé. Oh, le first try ce soir, trop bien. Then suddenly, the sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder, and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body. His shame, his worry, pulled from his being.
As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Mais cool! Putain, on l'a one shot. On a lancé le stream. On a lancé petite run d'Isaac. C'est validé. C'est cool! Qu'est-ce qu'on débloque? Options. Alors, ce n'est pas un more options. Cet item-là, je sais ce qu'il fait. En fait, c'est une sorte de more options, mais gris. Et en gros, quand un objet pop dans la pièce, en fait, il y en aura deux qui vont pop dans la pièce. Et en fait, il faudra choisir. Et quand on interagira avec l'un, l'autre va disparaître. Et ce sera ça sur tout le temps, toutes les salles. Et plutôt stylé. Ça nous laisse un peu le choix. C'est cool. Et ben c'est fait. Voilà. C'est validé avec Isaac. Je constate que les 4 premiers persos, c'est validé. Bon, par contre, Blue Baby, au secours. Alors, le prochain perso... Azazel face à The Beast, ça doit être un enfer. Ouais. Et ben... Oh, peut-être qu'on testera Blue Baby pour prochain perso. Mais Blue Baby, il manque plein de choses à faire. Hein. C'est terrible. Ou Eve. Eve, j'aime bien. C'est vrai que Eve, j'aime bien. Elle est quand même plutôt forte. Samson aussi. Lui, il l'a par défaut, More Options. C'est marrant, il n'a pas d'item. Il n'a pas d'item propre à lui. Alors peut-être qu'il faut valider quelque chose avec quelqu'un d'autre. Quel enfer. Quel enfer. Bref, des bisous YouTube. Et à très vite pour la suite de nos aventures. Des bisous.